Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Vous êtes peut-être en quête de paix intérieure. La personne qui sera interviewée aujourd'hui va nous parler d'un témoignage puissant du fait qu'elle a passé d'un état d'angoisse à celui de la paix. L'angoisse à la paix. Est-ce possible de passer d'une étape à une autre? C'est ce que nous allons entendre avec notre témoignage d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Mme Monique Bouchard-Saunier. Monique, bonjour, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour à toi, Réjean. On a hâte d'entendre ce témoignage. Premièrement, on aimerait te connaître, mais parle-nous de ton enfance, le lieu où tu es né, grandi, ainsi de suite, de ton patelin, là, de ta jeunesse. Alors moi, j'ai grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je dis au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que ma mère venait du Saguenay et mon père venait du Lac-Saint-Jean. Alors, c'est deux territoires que j'ai vraiment, j'ai voyagé beaucoup à travers ces territoires et je peux y aller les yeux fermés. J'ai grandi spécialement à Jonquière. Quand j'étais jeune, on a été une famille de 10 enfants. Je suis la cinquième. Et je dirais que c'était une famille dans les années 50, qui était quand même une année des temps difficiles, où on commençait un peu à sortir de la misère, si on veut. Les bûcherons sortaient du bois puis commençaient à faire un autre travail et les compagnies s'installaient aussi. Alors, mon père, lui, a commencé plutôt un commerce. Alors, ça, c'est bien spécial. Mais quand j'étais jeune, à l'âge de 4 ans, ce qui a marqué ma vie, c'est que je me suis fait frapper par un camion. Alors, le camion d'une laiterie où mon père travaillait m'a écrasée. Et là, j'étais entre la vie et la mort. Et j'ai de vagues souvenirs, mais ma famille m'a rappelé énormément de souvenirs. À cette époque-là, ils m'ont ramassé, ils m'ont amené à l'hôpital. Et ma mère venait d'accoucher du septième enfant. Imaginez-vous, c'est toute une expérience. Alors, si j'ai bien entendu, à l'âge de 4 ans, tu te faisais renverser par un camion. Mais en fait, je me faisais écraser parce que j'étais sur une petite voiturette, tu sais, une petite voiturette qui est un peu comme de travers. Et la voiture, la roue est tombée sur la voiturette. Ah, oui. Alors moi, j'ai été plusieurs mois où je n'ai pas pu marcher. J'ai été plâtrée, sortie de l'hôpital, etc. Et le langage que j'entendais toujours autour de moi, c'était que je devais mourir. J'aurais dû mourir. C'était comme le bon Dieu avait pris soin de moi, je ne suis pas morte. Une miraculée. Oui, une miraculée. Deux ans après, là, suite à ça, mes parents ont eu quand même un peu d'argent et ils ont pu acheter une maison et on s'est sorti pas mal de la misère. On est allé vivre dans un petit quartier bourgeois. Et là, deux ans après, je suis rentrée à l'hôpital d'urgence et là, j'avais les conséquences parce que j'avais été opérée à cette époque-là, à 4 ans. Et là, j'avais les conséquences, j'avais une occlusion intestinale et un caillot de sang qui montait. Ils m'ont opéré encore d'urgence. Je ne me rappelle pas du tout. Je me rappelle du mal que j'ai eu, mais je ne me rappelle pas du tout du reste. Et ça, c'est arrivé au mois d'août. Et je ne devais pas aller à l'école parce que moi, je suis du mois de septembre. Et à l'époque, on allait à l'école seulement si on était né avant le 31 août. Mais ma mère a insisté pour que j'aille à l'école. Et finalement, je suis allée à l'école. Et j'ai très bien réussi, mais je suis arrivée comme vers la fin de septembre. C'est spécial. Moi, j'aimais l'école. Ça a vraiment identifié mon enfance. J'aimais étudier, j'aimais le français. C'était vraiment fort pour moi. C'était pas juste pour aller voir les amis, là, les copains ou les copines dans ce temps-là. Moins de là. Les amis, moins de là. Mais c'était pour aller vraiment étudier. Oui, oui, j'aimais apprendre. J'aimais ça apprendre, j'aimais écrire. Et je peux dire que dans mon enfance, j'ai eu une belle enfance quand même. Parce que vu qu'on vivait dans un beau quartier... On était bien, il y avait beaucoup de familles, c'était chaleureux. Mon père, ma mère étaient des gens très bien, on avait une belle vie de famille. Mais ça n'a pas resté là. À un moment donné, quand je suis arrivée à mes 12 ans, mon père a décidé de déménager, vu que son commerce grandissait, il a décidé de déménager en ville et il a acheté un bloc. Et là, ma mère, dans le même temps, mais c'est assez spécial parce qu'au printemps, avant que ma mère on déménage et tout, ma mère est tombée enceinte d'un autre enfant,
mais qu'elle ne devait pas avoir, en fait, 11e. Et dans le même temps, elle écoutait des messages évangéliques. Et elle écoutait Fernand Sylvie, c'est fou, hein? Ouais. Et ce qui est spécial, c'est qu'elle, elle était interpellée, puis elle s'est achetée une Bible. Et là, ça commençait à faire partie de la vie de notre famille. On avait une Bible chez nous, puis on pouvait l'ouvrir de temps en temps, puis regarder surtout les images. Mais quand même, ça nous disait que ma mère acceptait ce qui était écrit dans la Bible. Ça, c'était une nouveauté chez vous, là, d'avoir ce livre. C'était une nouveauté, mais on était très religieux. Alors, c'était nouveau qu'on accepte la Bible. C'était vraiment spécial. Et par la suite, bien, on est déménagé. Et après le déménagement, quelques mois après, ma mère, elle ne s'est pas fait soigner suite à... Vous savez, dans le temps, on n'avait pas l'assurance maladie. Alors, elle ne s'est pas fait soigner et elle a eu un cancer puis elle est décédée à l'âge de 41 ans. Alors, elle laissait en arrière d'elle 10 enfants de 2 ans et demi à 19 ans. Et toi, tu te situes où dans ce lot d'enfants? Moi, j'ai 13 ans à l'époque. 13 ans. Je suis la cinquième. Alors, tu dois prendre soin des plus jeunes, partager... Alors là, la vie a basculé complètement chez nous. Et ma sœur a dû arrêter de travailler pour prendre soin de la famille. Et finalement, s'en est suivi des moments très difficiles. Et peut-être un peu aussi la remise en question de la mort. Pour moi-même, en tout cas, la mort devenait une réalité. Et 40 ans, pour moi, c'était vieux. Parce que c'était mon vécu. 40 ans, c'était vieux. Alors, par la suite, je vous raconterai qu'est-ce qui est arrivé. Oui. Monique, oui, c'est toute une histoire avec les hauts et les bas. Et puis, une mort présente dès ton jeune âge. Et là, le décès de ta maman, après la pause, la suite de l'histoire de Monique. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croistu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Monique, la mort est bel et bien présente dans ton témoignage, dans ce bout de vie que tu es en train de nous expliquer. Une préadolescente, 13 ans, et puis à 4 ans, tu te fais écraser par un camion. Après ça, bien, il y a des difficultés concernant ta santé, les opérations. Ta maman meurt suite à un cancer à l'âge de 41 ans. Toi, tu as 13 ans. Il se passe quoi après? Eh bien, par la suite, mon père s'est remarié et le remariage n'a pas été un succès puisque c'était une femme célibataire. Alors, ça a divisé la famille complètement. Les deux premiers ont dû se marier parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et heureusement, ça a bien tourné malgré tout. Mais on a vécu une adolescence très difficile. Mon père a ouvert une taverne. Il y avait deux commerces. Il n'y avait pas le temps pour sa famille. Puis en même temps, tout le temps était consacré à sa nouvelle femme qui était beaucoup plus jeune. Alors, ça a été des périodes très difficiles. Et dans cette période-là, je dirais qu'on a manqué à peu près de tout, mais on a surtout manqué d'amour. Et c'était très difficile parce qu'il y avait des journées qu'on ne savait même pas si on allait manger parce qu'on ne pouvait même pas aller dans la maison tellement l'atmosphère était dure. Et par la suite, moi, ça m'a vraiment interpellée. J'ai commencé à laisser tomber la religion parce que pour moi, Dieu n'était pas bon. Comment Dieu d'amour pouvait faire que je sois une victime des situations de la vie parce que c'était ma vie de victime depuis que j'étais jeune. Alors, je n'avais pas choisi ces choses-là et ça arrivait de toute façon. Et c'est là que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, Gilles. Et quand je l'ai rencontré, lui était un motard. Alors, je voyais en lui quelqu'un qui était un peu comme quelqu'un qui allait me protéger. J'avais besoin de protection et j'avais besoin de connaître quelqu'un qui avait du caractère, qui savait où il allait dans la vie.
Alors, ça n'a pas été long qu'on est tombé en amour et en amour fou. Mais jusqu'au jour où je me rends compte que lui, il était pris dans la drogue, il était pris dans une gang de motards. Et finalement, en tout cas, Dieu a fait des choses merveilleuses parce que après 4 mois, il a dû quitter la gang et il a quitté la drogue, il s'est remis sur pied. Et 2 ans après, on se mariait. Alors là, c'est quoi qui a pu changer ça chez Gilles? C'est cet amour entre toi et lui? Il se passait des choses. Il n'y avait jamais eu quelqu'un qui s'intéressait vraiment à lui d'une manière personnelle, et moi non plus. Alors, c'est comme si les deux, on prenait soin l'un de l'autre, ni plus ni moins. Et dans la même époque, lui a perdu son père. Son père était malade, alors lui a perdu son père. Et moi, mon père est tombé malade. Et finalement, avant qu'on se marie, quelques mois avant, mon père est décédé. Alors là, c'était un autre décès dans la famille. Et je peux vous dire que c'était un rappel que la vie est fragile, qu'on n'est pas au contrôle, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Les événements se poursuivent et on peut, on est juste comme... Basculer n'importe quand. Hein? Basculer. Oui, ouais. Exact. Et ça pouvait m'arriver à moi n'importe quand. J'avais aucune assurance où j'allais après la mort. Alors, pour se sortir de la situation après notre mariage, parce qu'on ne voulait plus rester dans la région, vu que ses anciens amis étaient là, et il n'y avait pas d'emploi, c'était très difficile. Gilles avait quand même un métier, il avait travaillé dans la mécanique, etc. Alors, on est parti sur la Côte-Nord et on a accepté un poste à Sept-Îles. Et là, à Sept-Îles, on s'est acheté une maison, notre niveau de vie a changé, on a commencé à se faire un cercle d'amis, tout a changé, c'était vraiment très, très bien, jusqu'au jour où il a décidé d'aller travailler dans le Nord. La compagnie l'envoyait, il partait le dimanche après-midi, puis il revenait le vendredi soir. Alors, je passais mes semaines toute seule. Et là, mes semaines toute seule avec 2 petits-enfants, j'ai commencé à angoisser. C'est comme si ce que j'avais vécu dans le passé, j'étais toujours en mode survie et j'essayais toujours de survivre à ce qui arrivait. Mais là, je n'étais plus en mode survie, là, je ne vivais plus. Et c'était une période très, très sombre. Jusqu'au jour où, à un moment donné, on a décidé tous les deux qu'on quittait la région, on a mis notre maison à vendre, on avait comme plan de s'acheter au Winnebago, s'en aller au niveau anglophone et aller jusqu'aux États-Unis et là partir faire l'école maison, ni plus ni moins, l'école roulotte, d'une certaine façon. À l'aventure. À l'aventure. Et on voulait sortir de ce carcan. Le carcan religieux, le carcan du bon citoyen. On voulait sortir de ça tous les deux. Mais, entre-temps, Dieu avait un plan. Parce qu'à un moment donné, Gilles était devenu de plus en plus religieux. Il allait à l'église. Et un soir, il dit, « Monique, fais ta prière. » Jamais il m'avait dit ça. Mais le soir qu'il m'a dit ça, qu'il dit, « Fais ta prière. » J'ai été tellement angoissée, ça m'a tellement fait mal, j'avais l'impression de tomber dans un précipice sans fond. J'ai dit, qui je vais prier? Et déjà, l'angoisse se pointait à l'horizon, mais là, vraiment, là, t'es envahie par cette angoisse. C'était le summum. Là, j'étais vraiment au-dessus là. Moi, l'angoisse, elle est là. Hein? Là, c'était au-dessus là. Et là, j'ai crié, et c'est là que j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, montre-moi où tu es. Et là, je peux te dire qu'à ce moment-là, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui allait arriver. Mais entre-temps, ça n'a pas été long parce que mon frère est décédé quelques mois avant que je fasse cette prière. Il est mort dans un accident. Et ça, ça m'a tellement touchée parce que c'était encore un autre décès. Ça m'a vraiment touchée. Et il y avait juste 18 ans. C'était assez l'horreur. Hein? Et... mes voisins se sont convertis, mais moi, je pensais qu'ils étaient rentrés dans une secte. Ils étaient tellement gentils, ils avaient tellement changé, c'était extraordinaire. Mais on s'était dit, non, 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 on ne va pas se faire organiser, on ne veut pas rien savoir, on ne veut pas en entendre parler. Mais... Ah, mais on va rester sur ce « mais », chère Monique. Exactement. Hein? Alors, le « non, non, non », mais après la pause... Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun.
ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre! Monique, il y a encore des décès dans ton entourage, un proche, un frère, l'angoisse qui t'envahit. Là, tu es rendu chez une voisine qui s'est convertie, mais vous ne savez pas trop ce qui se passe dans leur vie, là, ou coller l'étiquette de secte. Mais, là, j'aimerais entendre la suite de ce mais. Alors, Dieu avait un plan vraiment spécial parce qu'on a mis notre maison à vendre, elle ne se vendait pas. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que nos voisins priaient pour qu'on ne vende pas la maison. Et comme ils étaient devenus nos meilleurs amis depuis 3 ans, alors ils nous avaient vraiment à cœur. Et cette femme, elle connaissait ma vie à 100%. On avait tellement partagé ensemble. On avait des enfants, on gardait les enfants de l'un et l'autre. On avait une belle amitié. Mais le jour où elle s'est convertie, moi, j'avais arrêté de la fréquenter. Alors un soir, le 12 janvier 1978, on perd l'électricité. Et comme Gilles, pendant l'été, Gilles travaillait dans le Nord, mais pendant l'hiver, il travaillait directement à l'usine. Et là, il travaillait de 4 à minuit. Alors là, je me suis dit, waouh, je ne peux pas vous rappeler, Gilles n'était pas là, il faisait noir. Et là, l'angoisse a commencé à monter de plus en plus. Je ne voulais pas appeler ma voisine parce que je m'étais dit, non, on s'était dit qu'on ne créerait pas des liens avec eux autres. Alors, j'essayais d'appeler un peu partout, ça ne répondait pas. Et finalement, j'ai passé outre la peur de me faire chicaner. J'ai passé outre et j'ai appelé. Et là, ils sont venus me chercher, j'ai soupé avec eux autres. Et après le souper, ma voisine, elle me dit, mes enfants ont disparu. Hein. Je pense que son mari était parti avec les enfants, il les amusait dans la salle de jeu. Et là, ma voisine, elle me dit, Monique, est-ce que je peux te raconter qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie? Tu sais qu'il y a quelque chose qui a changé. Je dis, non, c'est bon, je suis contente pour vous autres. Vous avez l'air heureux, puis vous êtes très gentils, mais je ne veux vraiment pas n'entendre parler. Alors là, je la vois qu'elle se retourne à son comptoir, puis elle brasse la vaisselle, puis elle n'est pas contente. Elle se retourne de bord, puis là, elle me dit, écoute, Monique, elle dit, j'aimerais t'en parler une fois. Elle dit, après, là, elle dit, je t'en parlerai plus jamais, mais donne-moi au moins la chance de t'en parler une fois. Moi, je me suis dit, donne-moi même, ça, c'est un deal. Parce qu'en plus, j'étais curieuse, je voulais savoir dans quoi ils étaient. Et je m'étais dit, bon, si je n'accepte pas ce qu'elle dit, bien, ça va être fini. Hein? Donc, on a le choix d'accepter ou de refuser. Exactement. Alors, elle a commencé à me parler. D'abord, elle connaissait ma vie. Fait qu'elle dit, tu sais, cette angoisse que tu vis, le fait que tes parents sont décédés, le fait que ton frère est décédé. Elle arrivait avec toutes les choses que j'avais, le fait que tu as vécu des périodes très difficiles dans ta vie. Elle dit, tu sais, le problème qu'on a, c'est qu'on est des pécheurs, qu'on est perdus. Elle a commencé à me faire le plan que Jésus avait donné, que Dieu avait fait par Jésus. Et là, elle a commencé à me parler de la croix de Jésus. Moi, je ne peux pas dire que j'étais une personne méchante, mais je savais que j'étais une personne qui n'était pas bonne non plus. Et il y avait certaines choses dans ma vie que j'aimais mieux ne pas discuter ou ne pas parler parce que les souvenirs n'étaient pas agréables. Des réactions que j'avais eues avec ma belle-mère, etc. Alors, elle a commencé à me dire, tu sais, on est tous des pécheurs, on est tous perdus. Tous les êtres humains, regarde les êtres humains, personne n'est juste. Bon, je voyais bien, c'est vrai, personne n'est juste. Et là, il m'a parlé de ça, il a dit, tu sais, Dieu a envoyé son fils, Jésus, sur la croix, mourir pour nous. Et elle avait une image chez elle. Elle avait un beau grand cadre. C'était une croix. Et là, la croix, il y avait des gens qui embarquaient sur la croix et qui s'en allaient dans le ciel, dans le paradis. La croix était couchée. Alors, elle a dit, tu sais, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Lui faire confiance, embarque sur la croix, vis ta vie. Moi, ça a été instantané. Je n'ai pas eu besoin de comprendre autre chose que ça. Elle a dit, quand même que tu ferais toutes les bonnes œuvres, Monique, jamais tu vas pouvoir racheter ta vie, jamais. Il y a juste Jésus qui a racheté ta vie en mourant sur la croix.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais ce soir-là, toute l'angoisse que j'avais ici, elle a disparu. Et elle a disparu pour tout le reste de ma vie. Je n'ai jamais revécu par la suite. Mais là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, je suis retournée à la maison avec les enfants et j'ai cherché, parce que Gilles avait acheté une Bible quand il est sorti de la drogue, puis il l'avait lue. Alors, j'ai cherché sa Bible et là, j'ai pris la Bible et j'ai commencé à lire. Et là, je découvrais que Dieu existait, que Dieu avait un plan pour l'être humain, qu'il était celui qui était le créateur, qui connaissait l'être humain. C'était tellement extraordinaire tout ce que je lisais. Alors, par la suite, moi, je savais que c'était fini, j'étais sauvée pour l'éternité. Et là, j'ai compris en allant à l'église, etc. Et comme j'aimais le français, imaginez-vous que la Bible est devenue un livre intéressant pour moi. J'ai commencé à l'étudier, j'ai commencé à comprendre, à faire de la grammaire avec la Bible. Et finalement, après beaucoup d'années, je suis devenue une enseignante. Alors, j'enseigne plusieurs cours. J'ai pris soin de plusieurs femmes dans notre vie et j'ai 3 enfants. Puis mes 3 enfants aussi suivent le Seigneur. Chacun a vécu sa propre expérience. Et je peux vous dire que c'est une vie merveilleuse. Je ne changerai pas une seule journée de ma vie avant pour ce que je vis aujourd'hui. C'est extraordinaire. Je continue à aimer et à aimer Dieu. Et je sais que Dieu m'a pris pour l'éternité. C'est une assurance. Je ne peux même pas dire pourquoi, mais c'est là dans mon cœur. Ça fait partie de ma vie. Alors, c'est formidable. Et Gilles est devenu un pasteur. On a étudié tous les deux. On a servi le Seigneur pendant 35 ans. Et il y a 3 ans, bien, le Seigneur est venu le chercher. Par la grâce de Dieu, je peux dire que, encore là, Dieu prend soin de moi. Dieu aime les veuves. Il aime les orphelins. Alors, il prend soin de moi et je sais qu'il ne me quittera jamais. Une veuve comblée par la présence de Dieu. Exactement. Monique, on s'arrête un court instant. J'aimerais que, après la pause, qu'on revienne à cette croix, au chemin que tu as emprunté, pour nous partager un peu cette nouvelle. Après la pause. Alors, Monique, passer de l'angoisse à la paix, comme ça, en claquant des doigts. Parce que cette croix, la croix, une image, une illustration de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle, une croix qui est étendue par terre, qui traverse un grand abîme, un grand fossé, et c'est devenu ton chemin, c'est ta route, et tu as passé d'une étape à l'autre, c'est-à-dire de l'angoisse à la paix. Peux-tu nous en parler un peu plus de cette démarche, de cette étape, de cette conversion que tu as vécue à ce moment-là? C'est sûr que quand les premiers pas, quand on comprend que Jésus est mort pour nous, on ne comprend pas tout. Alors, ça a été comme par période, par la suite, à force de lire la parole, là, j'ai compris comment Dieu m'aimait. Et j'avais besoin de comprendre que Dieu m'aime. Et je mettais mon nom justement dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé Monique qu'il a donné son fils unique, afin que Monique ne périsse point. Et c'était ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'était de tomber dans un gouffre sans fin quand j'allais mourir. Alors, afin que Monique ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Et c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas palpable. Mais le Saint-Esprit, lui, qui vient habiter en nous, il nous le rend vraiment, vraiment palpable. Et c'est une assurance qu'on ne comprend pas d'où ça vient, mais c'est une assurance que Dieu est en nous. Ça a été formidable. Mais par la suite, Dieu a fait un travail dans ma vie parce qu'il y avait des gens que j'avais eu des mauvaises expériences avec eux. J'avais des demandes de pardon à faire. J'avais des choses, des comportements à changer. Et là, Dieu travaillait dans ma vie au fur et à mesure que je lisais les Écritures. Je voyais tellement de choses et ma vie changeait sans arrêt. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'une des choses qui m'apparaît le plus importante, c'est que l'être humain, il a été créé à quelque part.
Mais quand vous achetez un appareil, là, n'importe quel appareil, vous prenez l'appareil et vous essayez de le faire fonctionner sans avoir été voir comment le manuel d'instruction. Le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Alors, tu essaies de faire fonctionner la machine, bien souvent, et ça ne marche pas. Hmm. Je me suis dit, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris que Dieu parlait exactement à l'être humain, puis c'était le manuel de vie. Voilà comment vous avez été créé, puis comment vous pouvez fonctionner, puis vous fonctionnez bien quand vous marchez selon mes valeurs à moi, selon mes lois, selon mes normes. Prenez le mode d'emploi, il est là, et ça a transformé toute ma vie par la suite. Monique, ce mode d'emploi nous dit qu'il nous manque une pièce. Et cette pièce, c'est Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, notre existence et de notre éternité. Et toi, tu as accepté cette pièce que Dieu t'a offert par amour, offert son Fils unique. Et depuis ce temps-là, bien, il y a peut-être des gens qui vivent comme toi de l'angoisse, surtout dans des périodes comme dans lesquelles nous sommes présentement. Ce pas de foi, d'accepter que Christ est le chemin, celui qui peut nous conduire au Père et bénéficier des bons soins d'un Père céleste. Et ceux qui aimeraient en savoir davantage, les mardis soirs à 20h sur la plateforme Crois-tu, justement, je donne le mode d'emploi. L'Évangile selon Jean, ils sont invités, c'est un service gratuit qu'on offre au ministère Crois-tu, à étudier la parole, avoir une rencontre avec la parole de Dieu, avec, de rencontrer le Christ de façon vraiment efficace pour notre vie, notre éternité. Alors donc, Monique, je te remercie beaucoup de nous avoir raconté une partie de ton histoire, de ton vécu. Et puis, ceux qui veulent peut-être réentendre cette émission, allez tout simplement visiter notre plateforme croistu.ca et puis vous pouvez commenter, nous rejoindre en composant le numéro de téléphone. Et les samedis matins, dès 9h30, tu animes les témoignages Crois-tu en direct sur notre plateforme sur Zoom. Ils n'auront qu'à les visiter, cliquer sur Zoom le samedi matin et on sera là en direct. Merci encore d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Crois-tu?